L'ICSI est une méthode efficace de sélection des spermatozoïdes et de fécondation ultérieure des ovules. L'échantillon doit être nettoyé dans une éprouvette avant la fécondation. Si l'échantillon de sperme est de bonne qualité, on utilise la méthode de la nage. Au cours de celle-ci, le sperme est nettoyé à l'aide d'un mouvement actif. En cas de sperme de mauvaise qualité, il faut utiliser une centrifugeuse. Le sperme nettoyé est placé dans un milieu spécial et placé dans une centrifugeuse où les spermatozoïdes mobiles sont séparés des spermatozoïdes non mobiles par la force centrifuge. Les spermatozoïdes mobiles, grâce à la centrifugation et au mouvement, restent au fond. À l'aide d'une pipette, l'échantillon de sperme souhaité peut être facilement extrait du fond du tube. À l'aide d'un micro-manipulateur, le sperme sélectionné est injecté comme il se doit dans l'ovule et, grâce à cela, une nouvelle vie est créée.